Bonjour, ici Valérie Dionne. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Bravo. Centraide Duplessis a récolté une somme record de 707 778 $ lors de sa campagne annuelle 2020. Un exploit remarquable pour l'organisme en pleine période de pandémie, alors que les besoins ont explosé au cours de la dernière année. Ce sont 87 000 $ de plus qui ont été amassés par rapport à la campagne 2019. Ce résultat témoigne clairement de la mobilisation et de la générosité des entreprises, des organisations et des citoyens qui ont donné à Centraide afin que l'organisme puisse, à son tour, donner l'essentiel à la communauté. Malgré l'annulation des activités de campagne traditionnelles et des défis que représentait la sollicitation de dons virtuels, Centraide a pu compter sur ses grands partenaires et leurs employés. Parmi ceux-ci, on peut citer Aluminerie Alouette, ArcelorMittal, la compagnie minière Yossé et Hydro-Québec. Minerai de fer Québec s'est aussi joint à la campagne avec une première offensive qui a rapporté 10 000 $. Mais il ne faut pas oublier l'implication des PME, des syndicats et de la population en général. Sur le territoire de Duplessis, 2 personnes sur 5 ont recours aux services offerts par les organismes communautaires soutenus par Centraide. Un grand bravo! La Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST, a annoncé les récipiendaires des Grands Prix Santé et Sécurité du travail et 3 entreprises de la Côte-Nord ont été récompensées. Dans la catégorie Grandes entreprises, la luminerie Alouette a obtenu une distinction en raison de la création d'une pince ergonomique en acier qui a été conçue pour remplacer les filtres des dépoussiéreurs. Auparavant, les employés devaient s'accroupir pour réaliser cette tâche. L'entreprise Michel Miller Incorporée de Baie-Comeau s'est distinguée dans la catégorie petites et moyennes entreprises grâce à un mécanisme de verrouillage de portes de benne à l'usine d'asphalte. Finalement, dans la classe organisme public, la ville de Sept-Îles a été honorée par la CNESST pour une innovation. Il s'agit d'un récupérateur de briques et d'autres débris durant des travaux de réparation de la couronne des chambres et des regards de conduite d'égouts pluviales et sanitaires. Félicitations à ces entreprises! Décédé des suites d'un accident de voiture à l'âge de 24 ans en juin 2020, Alexandre Thibault de Sept-Îles, qui avait signé sa carte de don d'organes, a permis de sauver, ou du moins d'améliorer, la vie de 4 personnes. Il a donné 2 reins, 2 poumons et son foie. Le témoignage de sa mère, Josée Tremblay, a permis de faire réfléchir la population à l'importance de signer à l'endos de la carte d'assurance maladie, mais également de sécuriser le public en révélant que tout se passe dans le respect. Malgré cette perte incroyable, ce fut un soulagement pour la famille de savoir que 4 personnes recevraient les organes d'Alexandre et que son décès servirait à sauver des gens. Le Baie-Comois d'origine, Paul-Serge Forêt, vient de remporter le prix Robert Clich 2021 avec son premier roman « Tout est Horry », une œuvre dans laquelle la Côte-Nord, la pêche et l'industrie des fruits de mer sont omniprésentes. Exerçant la médecine familiale à Montréal, il publie ce roman sous un pseudonyme afin de faire une distinction très claire entre sa pratique médicale et ses activités littéraires. L'auteur de 36 ans a fait ses études à la polyvalente des Baies et au cégep de Baie-Comeau. Il a étudié ensuite brièvement en lettres à l'université avant de bifurquer en médecine. Le prix Robert Clich, qui vient couronner un premier manuscrit soumis de façon anonyme, assure à son récipiendaire une bourse de 10 000 $ remise par Québécois, en plus de la signature d'un contrat d'édition pour la publication de son roman. L'auteur a choisi de remettre sa bourse à des organismes qui œuvrent en alphabétisation. Un geste empreint d'humilité et de générosité. Monsieur Bricole, René Côté, quittera Sept-Îles en juin pour se rapprocher de ses petits-enfants à Magog. L'homme de 73 ans a remarqué plus d'une personne durant ses 32 ans dans l'enseignement à l'école Manicouté, mais aussi aux Galeries Montagnaises, là où il a contribué durant 24 ans à la réalisation des décors pour les différentes thématiques et à l'animation des ateliers de bricolage pour les jeunes. L'artiste quittera Sept-Îles la tête pleine de beaux souvenirs et ce qu'il en retiendra plus particulièrement, c'est d'avoir travaillé avec les Innus et d'avoir créé des liens entre les gens des 2 communautés, notamment les jeunes. Il en était rendu à la 2e, voire même la 3e génération des premiers enfants qu'il a accueillis dans son atelier. Ses activités ont d'ailleurs toujours affiché complet. Pour la réalisation des décors liés aux différentes thématiques, René Côté dit avoir appris sur le tas, avoir laissé aller sa créativité. On lui souhaite une bien belle retraite.
Quelle belle initiative de l'enseignante Annick Baudin et de ses élèves de l'école du Boisé de Sept-Îles qui ont dessiné des napperons pour les résidents de la résidence des bâtisseurs. Ceux-ci ont grandement apprécié savourer leur repas avec de belles images, tout en soleil et en couleurs. Le film Kwesipan, tourné à Ouachat, Mac-Malio-Ténam et Sept-Îles, est sorti le 26 mars en salle virtuelle et en vidéo sur demande, avec une promotion dans plus de 20 cinémas indépendants à New York, Los Angeles, Philadelphie et ailleurs aux États-Unis. Kwesipan a été acquis par Art Matan Film pour sa distribution américaine. Rappelons que deux jeunes Innus de la Côte-Nord, Sharon Fontaine-Ispatao et Yami Grégoire, jouent les rôles principaux dans le film qui circule ainsi partout sur la planète. L'œuvre de la réalisatrice Myriam Véro et de l'auteur Naomi Fontaine a connu beaucoup de succès dans les festivals depuis sa sortie en septembre 2019. L'Agence des pêches autochtones AMIC rend hommage à Anouk Saint-Onge, la première femme Innu à devenir capitaine. La dame de Malio-Ténam s'est exilée un an à Gaspé pour obtenir son diplôme en capitainerie. L'AMIC souligne sa persévérance et sa détermination. L'agence espère que le succès d'Anouk Saint-Onge va inciter d'autres femmes autochtones à choisir une carrière dans l'industrie de la pêche. Madame Saint-Onge réalise un rêve de jeunesse en devenant capitaine de bateau. Dès l'âge de 7 ans, elle a vécu des expériences mémorables avec son père et ses frères à la pêche à la morue et au bourgot. À 27 ans, elle a commencé comme aide-pêcheur sur un crevettier de pêcherie Wapan. Âgée de 43 ans, elle revient aujourd'hui avec un diplôme de capitaine en main. Quel beau rêve réalisé! Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, pour chaque publicité vendue dans le cahier central « Elle inspirante », le journal Le Manique a retenu un montant par annonceur. Cette somme cumulée a été remise au hasard à 4 organismes sélectionnés. Le Manique a donc remis 675 $ à la Vallée des Roseaux, Panda Manicouagan, le comptoir alimentaire L'Escale et la Maison des familles. Des dons fort appréciés. C'est sur la Côte-Nord, à Port-Cartier, que se trouvent les grands gagnants du festival de films Palme, Pêche à la mouche, événement organisé par Saumon Québec. North Shore Fly Fishing, a eu la faveur des votes du public, étant sacré lors de la grande finale du 18 mars. Le film, réalisé par Olivier Bacon et mettant en vedette ses comparses David Bacon, Maxime Bélanger, Jean-François Perron, Philippe Deroy et Dylan Larrivée, affiche au premier plan les rivières de la région. Olivier Bacon a déjà d'autres projets en tête, dont celui d'une web-série qu'il compte tourner cet été. Il souhaite faire découvrir de nouveaux endroits méconnus de la région pour la pêche sur la Côte-Nord. Une autre belle occasion de promouvoir la région. Le CAB de Port-Cartier a distribué 1200 repas chauds de plus durant l'année de la pandémie avec sa popote roulante. Le service s'avère encore plus essentiel et apprécié de la clientèle aînée. Le Centre d'action bénévole a servi 4 850 repas santé dans la dernière année, comparativement à 3 600 en moyenne dans le passé. Le service permet aussi de garder contact avec des gens qui vivent seuls et de s'enquérir de leur santé globale. Le CAB Port-Cartier propose aussi des services d'aide à domicile et opère un centre de jour. Du 14 au 20 mars, la semaine des popotes roulantes a été l'occasion de rappeler comment ce genre de service est précieux. Le centre garde un lien privilégié avec les aînés en offrant ce service. Léa Chrétien et Pierre-Alexandre Bérubé se souviendront certainement longtemps de la journée du 31 octobre 2020. Les deux Port-Cartois, aux études à Rimouski, ont été les premiers à intervenir avec deux amis sur un feu qui faisait rage dans un garage près d'une résidence. Lors d'une promenade en voiture, Léa a aperçu l'incendie du coin de l'œil. Les quatre jeunes ont fait leur devoir de citoyens, se répartissant les tâches. L'appel au 911, cogner à la porte de la maison, s'assurer que les résidents sortent, faire évacuer le voisinage par prévention en raison du vent. Ils ont fait preuve d'une grande efficacité. En mars, les deux Port-Cartois et leurs deux amis ont été honorés par l'agent de la Sûreté du Québec, Philippe Laflamme. Il a tenu à souligner le courage de ces jeunes et à les remercier en leur remettant un certificat de collaboration soulignant leur implication citoyenne qui a permis d'éviter le pire. Le 14 mars, les athlètes de l'Institut de karaté Shotokan de Sept-Îles ont laissé une très belle impression aux juges du E-Championnat Pacifique de karaté organisé par la Fédération provinciale de la discipline de la Colombie-Britannique. Ces performances placent le club au sommet de la compétition. Les protégés de l'instructeur-chef et directeur technique Marco Coulombe ont brillé. L'Institut a été sacré club de la compétition sur 35 pour les points cumulés dans les épreuves de kata, forme et de kumite, combat.
Les performances soumises par vidéo sur YouTube ont mené l'Institut de karaté Shotokan de Sept-Îles à la conquête de 6 médailles d'or. Bravo aux talentueux karatékas, jeunes et adultes. L'Université Laval a tenu pour la 3e fois à la fin février son Déjeuner des étoiles académiques qui a pour but d'honorer les étudiants athlètes dans leur réussite au plan sportif comme au plan académique. 3 jeunes athlètes originaires de Baie-Comeau et une de Port-Cartier se sont vus décerner le prix d'excellence. La Baie-Comoise Marie-Ève Turcotte étudie en psychothérapie et fait partie de l'équipe d'athlétisme et de cross-country du Rouge et Or. De son côté, le joueur de tennis Louis-Charles Roussel étudie en ergonomie. Et puis, Isabelle Turcotte, qui a terminé ses études en pharmacologie, a remporté l'honneur en athlétisme à sa dernière année universitaire pour une 5e année consécutive. La Port-Cartoise Catherine Letarte a aussi reçu cette distinction. Elle s'illustre en badminton. Rappelons que pour mériter cet honneur, les étudiants devaient faire partie d'une organisation sportive du Rouge et Or, ainsi que maintenir une note moyenne égale ou supérieure à 80 % en 2019-2020. Afin de souligner leur importante contribution à la pratique des véhicules hors route, Jeannot Roussel de Sept-Îles pour le VTT et Roger Vignola de Port-Cartier pour la motoneige se sont vus remettre le 19 mars le prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route pour la région de la Côte-Nord. Le ministre des Transports, François Bonnardel, ainsi que le ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonathan Julien, les félicitent pour leur engagement qui contribue à faire de ce loisir un important vecteur de développement économique pour la région. Cette année, plus que jamais, il était nécessaire de souligner le dévouement et la capacité d'adaptation des bénévoles qui ont permis aux adeptes de véhicules hors route de pratiquer leurs loisirs malgré la pandémie de COVID-19. L'activité La Manicouaga en mouvement, cet hiver j'embarque, qui s'est déroulée au cours des dernières semaines, a connu un succès éclatant. Réalisée en collaboration avec la Ville de Baie-Comeau, l'Unité régionale loisirs et sports Côte-Nord et le député de René Lévesque, Martin Ouellette, l'événement a généré 4 575 heures d'activité entreprise par 550 participants. 6 500 $ ont été remis à plus de 200 de ces participants grâce à la générosité de précieux partenaires. Félicitations à toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin dans cette aventure hivernale. Bravo à Béatrice Moisan Montigny de Baie-Comeau, qui a mérité une bourse pour reconnaître son engagement dans la communauté auprès des jeunes sportifs et auprès de ses pairs étudiants de la part de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Béatrice concilie de belle façon les études, le travail, le sport et l'implication communautaire. La patinoire du Parc des Pionniers est présente dans le paysage baie-comois depuis plus de 30 ans. Il est souvent facile d'oublier qu'elle ne pourrait exister sans l'apport inestimable des bénévoles qui offrent de leur temps afin de permettre à la population de patiner sur un grand anneau de glace dans un décor magnifique. La patinoire a vu le jour en 1987 dans le cadre du 50e anniversaire de la fondation de la ville de Baie-Comeau. C'est un groupe qui s'est demandé pourquoi on n'ouvrirait pas une petite patinoire dans le but de s'amuser, mais aussi apporter un plus à leur communauté. À ses débuts, la patinoire se trouvait dans le stationnement du parc. Il aura fallu 7 ans avant qu'elle se retrouve à son emplacement actuel, dans le secteur Marquette. L'occasion est belle pour souligner l'importance de tous les bénévoles dans la communauté. Merci de votre attention. Ici Valérie Dionne. À la prochaine. Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.